Bonjour à toutes et à toutes, c'est Kikipunk et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, sur les ressources packs, comment ça fonctionne? Enfin, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a dans un ressource pack? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Et enfin, voilà, tout ça. Donc, désolé, enfin, pour commencer, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos dans ce moment, enfin, qu'il y a en ce moment. C'est tout simplement parce que j'ai repris, enfin je travaille à la mairie de ma commune, voilà. Donc en tant qu'employé municipal, ça m'a vachement crevé cette première semaine, mais ça va aller, hein, c'est bon, je me suis habitué. Vous allez avoir pas mal de vidéos, et en plus de ça, Jeb a sorti pas mal de choses, enfin pour la prochaine version, et je vous montrerai ça vite fait après si vous n'êtes pas au courant. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, les ressources pack, comme vous savez, le bouton ressources pack ici, vous allez dans options ressources pack et vous avez tous vos ressources pack. Nous, enfin, moi pour la vidéo, j'ai utilisé le traditionnel Botty, c'est lui que j'ai modifié. Vous allez voir que certains dossiers sont vides chez moi. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, c'est tout simplement parce que je les utilise pas, donc c'est des fichiers vides. Je vous expliquerai tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Donc on va tout de suite commencer par aller dans .minecraft, donc moi j'y suis déjà, et on va aller dans le dossier ressources pack. Ensuite, on va prendre, enfin, bon, on va commencer simplement. Donc il y a deux manières d'avoir un ressource pack, soit sous forme de dossier comme ici, donc comme les six premiers, ou soit sous forme de zip comme les quatre derniers. La différence, le poids et le moyen de l'envoyer aux autres personnes. Le zip est beaucoup plus facile à envoyer aux gens, il est plus léger. Le problème, c'est que quand on modifie un zip, à chaque fois, faut le dézipper, à moins que on ait de la chance et que le PC ouvre les images et tout dans le bon logiciel, mais c'est peu probable. Donc c'est plus facile d'avoir un dossier. Pour travailler, donc on va utiliser le traditionnel Botty. Dans le dossier de votre ressource pack, il y a trois fichiers. Le A7, pack.mcmeta et pack.png. Donc pack.png, c'est tout simplement l'image que vous aurez dans Minecraft dans le dossier ressource pack. Donc ici, c'est la même image. .mcmeta, c'est tout simplement ce qu'il va y avoir écrit sous le nom du pack. Donc c'est avec ce fichier qu'on choisit. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc mcmeta, c'est créé par Mojang. Vous pouvez l'ouvrir avec Notepad, c'est une extension autre. Donc voilà, si je l'ouvre, on a enfin plein. C'est assez, c'est un peu du code, mais on s'en fout complètement. Vous récupérez le vôtre d'un autre pack et vous le modifiez à votre sauce. La seule mo modification possible, de toute façon, c'est la description, enfin ce qu'il y a entre guillemets. Donc là, c'est traditionnel Botty 64 pixels. Et c'est ce qu'on retrouve ici, traditionnel Botty 64 pixels. Donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser au dossier A7. Le dossier A7, c'est où qu'il va tout y avoir. Donc désolé si vous entendez les bruits de chaise, j'étais mal assis. Donc on va aller dans le dossier A7. Dans le dossier A7, il y a un dossier Minecraft. Donc bien sûr, le dossier A7 ne sert totalement à rien. C'est pour ouvrir un autre dossier. Faut pas chercher. C'est comme ça. Donc on ouvre deux dossiers. Dans ce dossier, il y a sept dossiers. Donc il y a marqué 8 en bas. MC Patcher, on le verra après, c'est pas obligatoire, c'est pour utiliser Optifine ou MC Patcher. On verra ça après, c'est pour les connectiques textures. Donc, on va commencer dans un ordre précis, l'ordre du wiki pour que je vous explique bien en profondeur tout. Donc, on va commencer par le dossier fonte. Donc, moi, c'est un dossier vide, donc je vais pas y rester pour pas que vous ayez un dossier vide devant les yeux, c'est pas intéressant. Le dossier fonte, c'est tout simplement la police d'écriture. Donc c'est un dossier en point bin où il y a votre type de police.
J'ai pas d'exemple à vous montrer, mais sur certains packs, il y en a. Ensuite, on va s'intéresser au dossier langue. Donc moi aussi, un dossier vide, mais le dossier langue, je vais vous montrer, hop, je vais ouvrir un dossier langue. Voilà, ça c'est le dossier langue de Minecraft de base. Il y a toutes les langues, donc si vous voulez savoir où il est, c'est dans .minecraft, asset et langue, non pas musique, langue. Et là, il y a toutes les langues de Minecraft, donc vous pouvez ajouter une langue à votre source pack, hein. Par exemple, créer une langue pour votre source pack si vous voulez, si vous le voulez. Donc voilà, on va passer au dossier texte. Donc dans le dossier texte, il y a trois fichiers. Bon là, j'en ai que deux, il m'en manque un, mais je vais vous expliquer exactement ce qu'il y a dedans. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous le réexplique. Il y a le dossier créé, le fichier .txt, désolé, le fichier texte. Nommé crédit, il sert tout simplement au crédit du jeu, c'est là-dedans qu'il y a les crédits. Le dossier end, où il y a la petite histoire de Minecraft dedans. Et le dossier splash, qui sont les phrases jaunes qui apparaissent ici, une baguette. Donc voilà. On retourne juste avant. Et on va continuer avec. Pas les sons, parce que les sons c'est le plus gros. On va aller dans musique. Donc dans musique, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement les musiques de Minecraft. Les musiques de Minecraft, c'est les musiques qui sont jouées par moment. On ne sait pas quand, c'est à des fois à se lance comme ça. Donc vous pouvez les régler avec votre volume musique. Vous pouvez les modifier, faut juste avoir hein, une musique qui s'appelle Calm ou Calm 2, enfin, faut exactement que les noms soient pareils, on ne peut pas en ajouter autrement, elle ne sera pas prise en compte, enfin, je ne pense pas. J'ai jamais essayé, mais ça m'étonnerait qu'elle soit prise en compte. Donc, renommez-la comme ça. Donc, si vous voulez avoir un OGG, allez voir ma vidéo sur les comment ajouter des sons dans Minecraft. Ma vidéo. Où je vous montre avec comment ça s'appelle Audacity comment faire de OGG. De toute façon, OGG en fait c'est un format de son libre de droit. Donc on va passer au dossier si je me trompe pas. Voilà le dernier, donc le dossier record. Donc là il m'en manque. Comme vous pouvez le voir, pourquoi il m'en manque en fait, cela c'est les miens, c'est mes créations, c'est mes musiques. Est-ce que je peux vous en passer une par exemple Mélodie, si je vous la mets, j'espère que ce sera juste pas trop fort pour vous. Donc vous pouvez l'ouvrir avec VLC, hein, les OGG, si ça se lance. J'ai baissé, je sais pas si vous allez entendre. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais c'est une musique totalement nouvelle. C'est pas les musiques de Minecraft de base. J'ai tout simplement renommé les musiques que j'ai converties avec un convertisseur en ligne. D'ailleurs, je vous conseille, vous tapez OGG convertisseur en ligne sur Google, vous trouverez. C'est beaucoup plus pratique, pas besoin d'attendre, enfin c'est rapide. Donc voilà pour les sons. Les records. Les records, c'est les CD en fait. Hein. J'ai pas oublié de vous le préciser, c'est les CD de Minecraft. On va passer au son. Donc le dossier sound. Donc là j'ai tous les fichiers. C'est les fichiers de base, les sons de base, je ne les ai pas modifiés. C'est pour la vidéo, hein. Les fichiers que j'ai modifiés, je les ai mis juste à côté. Mais pour bien vous expliquer, j'ai tout laissé. Donc dans votre fichier sound, il y a 13 autres dossiers. C'est tous les sons de Minecraft classés, enfin à peu près classés. À part random, c'est classé. Après, c'est limite. Hein. Random, c'est le bazar total. Enfin, vous verrez quand vous regarderez. C'est tous les fichiers de son Minecraft. Je ne sais pas vous mieux vous expliquer. Hein. Vous allez par exemple dans Fireworks. Il y a la grosse explosion. Enfin, la grosse explosion là. La Blatch, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, il y a launch, c'est quand la feu d'artifice est tirée, c'est le piou et twinkle, c'est les petits effets pailletés de la glowstone, enfin ce qui a fait un petit peu péter.
le feu d'artifice quand il explose en l'air, enfin, etc. Vous pouvez tout modifier les sons du moment que vous les renommez par leurs noms originaux. Ensuite, on va retourner dans Minecraft, donc dans le deuxième Minecraft, et on va terminer par le dernier dossier, enfin, MC Patcher, ce sera après, qui s'appelle Texture. Dans Texture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 11 autres fichiers. Alors, je vais juste vérifier sur le wiki si il y en a bien 11, pour pas que j'en oublie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque un. J'ai trouvé lui qui me manque. Ouais, c'est bon. Je vous l'expliquerai quand même. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc blocks, c'est tout simplement les différents blocs de Minecraft. Donc c'est un pack de textures en 3D. Donc vous inquiétez pas, c'est normal les textures. Donc vous modifiez vos textures comme vous voulez. Color map, c'est le foliage, c'est le feuillage, et gray, c'est la couleur de l'herbe. Donc selon les biomes, elle sera pas de la même couleur, c'est grâce à ces fichiers. Entity, c'est toutes les entités de Minecraft. Donc ils ont tout mis ensemble cette fois-ci. Il y a même, par exemple, vous regardez là, c'est quoi déjà? Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Bon, il y a même le minecart, le panneau, le beacon, le bateau, l'end portail. Enfin, ils sont tous là et tous les mobs. Et une chose, si vous cherchez les coffres, ils sont ici. Il y a un dossier de chest. Et il y a tous les coffres. Je l'avais cherché l'autre fois. C'est pour ça que je vous le dis ça. Et je vous dis ça. Ensuite, environnement. Dans environnement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'end sky, donc le sky de l'end n'est pas noir ou bleu ou jaune, il est multicolore, c'est ça. Donc les nuages, les phases de la lune, enfin, quand il neige, quand il pleut, le soleil, enfin tout ça. Dans Guy, il y a tous les affichages plutôt de Minecraft, donc l'affichage de la barre de menu, le background. Du ressource pack, donc le background du ressource pack, c'est ce qu'il y a ici, tout autour là. On peut le modifier. Donc là, c'est de la terre, mais en pixelisé par rapport à Minecraft de base. Le livre, enfin, tout ce qui est là dans conteneur, vous avez l'inventaire, l'inventaire du cheval, le hopper, le double chest. Il y a énormément de choses. Hop, voilà. Dans item, il y a tous les items du jeu. Donc un fichier par item, hein, voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, hein. Vous regarderez de vous-même. Dans map, il y a la map, donc le background de la map et les différents pointeurs utiles. Alors, personnellement, je ne sais pas à quoi sert le pointeur vert, rouge et bleu. Si vous le savez, dites-le moi, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, vous pouvez le modifier, enfin c'est... C'est comme ça que se présentent les ressources pack. Misc, donc c'est les. Comment on pourrait appeler ça? Les caches. Ouais, je sais pas comment appeler ça. Donc, quand on enchante un item, il y a ça. Il y a une petite lueur qui se met dessus. C'est grâce au enchantement item, là, qui marche avec un fichier MCN Meta. Data. Donc Blur, Trou, enfin, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le wiki, il y en a plein. Par exemple, Pumpkin Blur, c'est le quand on regarde, je pense que c'est la transparente Blur, je sais plus ce que ça veut dire. Là, l'ombre du joueur, quand le pack est pas lu, c'est bizarre qu'il soit là, c'est pas grave. Quand on a une citrouille sur la tête, donc l'enchantement, l'intérieur de l'eau, enfin voilà, il y a tout ici. Ensuite, dans modèle, il y a le dossier armor, et dans le dossier armor, toutes les armures du jeu de Minecraft. Donc les layers ne sont pas complètes, c'est tout simplement parce qu'elles utilisent
des couleurs qui sont ici en fait. Alors en fait les layers, il y a ces quatre fichiers car ils marchent ensemble en fait. Certaines couleurs sont pas modifiées si vous regardez. C'est grâce à cause de ce fichier là. Painting, il y a le dossier peinture. Et dans particules, il y a les particules, donc les pas et tout ce qui est petites flammes, les gouttes d'eau, les blessures, etc. Et le dernier dossier que je n'ai pas là, que je vous parlais, c'est le dossier fonte, où il y a encore une police d'écriture. Je ne sais pas à quoi sert, c'est une police en tant que PNG. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais on regarderait sur le wiki, c'est tout. Tout est montré. Et on va terminer par MC Patcher. Donc dans MC Patcher, il y a un dossier CTM. Donc vous occupez pas du nouveau dossier, c'est juste un mémo pour moi. Donc il y a un dossier CTM. Donc CTM, ça veut dire Connected Texture. Enfin, ça veut pas dire Connected Texture, mais c'est les Connected Texture. D'ailleurs, le M, je vois pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et là, vous créez vos connectiques textures. Alors, je vous ferai un tuto qui va arriver dans la semaine sur comment faire des connectiques textures sur vos packs de textures. Car c'est assez simple. Enfin, assez simple. Par exemple, là, j'ai fait différents gâteaux pour mon pack de textures. Et c'est des gâteaux qui sont affichés random. Donc, il faut mettre méthode égale random. Et random entre 0 et 3. Donc entre 0 et 3. Donc ça prend un random entre ces 3-là. Donc c'est exactement pareil que par exemple si vous regardez les diamants or, voilà, j'en ai 10 différents. Si vous regardez les redstone or, j'en ai 10 différents. Oui, 10 différents. Enfin, etc. De toute façon, je vous ferai un tuto là-dessus. Par exemple, les feuilles d'arbres, j'en ai 3 de chaque différents à chaque fois. Enfin, je veux pas me 1, 2, 3, 4, m'avancer sur ce sujet tout de suite, car il y aura une vidéo qui va arriver. Donc, juste avant de se quitter, je vais vous montrer une page, une image que Dinnerman a tweeté, qui est très importante pour les mapmakers. Tout simplement des nouveaux objectifs qui vont être ajoutés dans Minecraft. Personnellement, je trouve ça génialissime, mais c'est pas... c'est mon cas. Donc, par exemple, là, la commande qu'il est en train de taper, ça vérifie, donc ça ajoute l'objectif test. Donc, l'objectif qui s'appelle test, et c'est un objectif de type stat.usitem.289. Donc, comment ça marche? Alors, il n'y a aucun tuto. Mais bon, ça a l'air logique. C'est on peut donc c'est stat point quelque chose. Après c'est point craft. Donc si on craft un, si on veut détecter un craft, si on veut détecter une utilisation avec use, si on veut détecter un kill entity, donc si on veut détecter le fait de casser ou tuer quelqu'un. Donc je pense qu'on peut détecter le fait de casser quelqu'un. Hein. D'ailleurs, il y a toujours Total Kill Count là, c'est assez drôle. Et là, il teste si on utilise la Gunpowder. Alors, je sais pas comment on peut utiliser de la Gunpowder, je comprends pas trop le principe, mais on peut comptabiliser ceci. Donc, par exemple, là, il fait un. Je vais cacher ça. Là, il utilise par exemple à droite Death by Zombie. Donc, Dinnerbone est mort une fois par un zombie. Donc, pour faire ceci, il a créé un objectif. De type stat.death.entity.zombie, je suppose. Enfin, c'est des trucs qui ont l'air assez logiques. Entity killed by zombie. Voilà. Elle est là, stat.entity killed by zombie. Donc, on verra ça quand la snapshot va sortir. Je trouve que ça annonce du bon. On verra ça. À la prochaine.